L'histoire de l'Algérie. L'Algérie, il faut remonter très très loin. Ça a été toujours, c'était des terres de guerre. Dans des Vandales, des Romains, des Phéniciens, après il y a eu les Turcs, les Français. Ça veut dire que c'est pour ça que moi je conseille aux Algériens d'écouter ça. Ça c'est un instrument qui relaxe le cerveau. La société algérienne, ça fait des siècles et des siècles, c'est une société traumatisée. Maintenant, si vous allez voir combien l'État algérien paye de médicaments importés, vous allez rester bouche bée. Pourquoi? Ça veut dire que c'est une société malade. Mais malade où? Hein? Et pour remédier à ça, c'est pour ça que j'ai fait ça ici. Je vais vous citer quatre paramètres que j'utilise ici. Vous êtes avec moi, monsieur? Oui. J'utilise quatre paramètres ici. Premièrement, la couleur verte. Deuxièmement, le ambar et le djaoui. Troisièmement, le gnawa. Et quatrièmement, c'est le thé. Si vous passez sur ces quatre paramètres, c'est comme si vous avez... On vous a enlevé votre cerveau, on l'a rincé, on l'a essoré et on l'a remis dans sa place. Vous avez compris? Et c'est ça ce qu'il faut pour les gens qui sont traumatisés. Maintenant, si vous me ramenez par exemple quelqu'un qui est malade psychiquement, je vais le mettre à ce, je vais l'asseoir ici. Faire écouter Glawa, sentir le rapport, lui donner un thé, sans lui donner une piqûre d'injection, ou bien lui mettre la camisole. Et moi j'ai remarqué ici, même, parce qu'il y a beaucoup d'étrangers qui viennent ici, aussi même la société, même dans les pays civilisés, l'être humain, il est. Le soir, comme par exemple les Anglais, moi j'ai vécu en Angleterre, je les ai vus à la fin quand ils sortent. Tous les Anglais vont vers les pubs. Vous allez trouver des pubs pour femmes, pour vieux, pour jeunes. Pire, 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 pire. Ils montent à la maison, une soupe, comme un porc. Bon, j'ai pris l'exemple. Même ici, c'est ça l'inconvénient du progrès, du capitalisme, vous m'avez compris? On s'éloigne du naturel. Regardez par exemple dans ce salon, je vous défie, vous allez trouver ici ce que vous êtes. Faites le regard de 360 degrés, vous allez trouver ce que vous êtes. Je suis sûr que vous avez trouvé. Ne me le dites pas. Gardez-le pour vous. Mais dites-moi oui ou non. Vous l'avez trouvé. Vous avez votre temps. Vous avez votre temps. Prenez votre thé.